Salut à tous, hier nous sommes retrouvés pour l'ouverture du deck. Aujourd'hui, on va ouvrir les pourfendeurs secrets. J'ai pas d'attente particulière si ce n'est l'Erika qui se trouve là-dedans, les nouveaux monstres que je trouve vraiment cool. Les petites fifilles là, en robe, c'est tout cool. Du coup, on va s'ouvrir tout ça, mais avant, pensez au pouce bleu et à vous abonner si le Yu-Gi-Oh! Ça vous plaît. Allez, on s'ouvre ça, j'ai une dizaine de boosters et on va s'éclater et découvrir ensemble ce qu'on va obtenir. On est parti avec le premier booster. Je vous avoue, la tension est à son comble. Je vous demande d'ouvrir un. Voilà, parfait, correctement. Même si je pense que j'en achèterai d'autres, mais incorrectement pour la petite collection. J'en ouvre au moins deux correctement. Alors, on commence avec une magnifique carte, le Cyclone Galactique. Alors, ça, c'est assez cool. Ensuite, on a Tranquillité Rika. Donc, c'est parfait parce que c'est les archétypes que je recherche. Oh, Perce-Neige, la Fée Rika. Et Cyclamène, la Férica. Et pour terminer, nous avons le Surnalixir de la Destinée Blanche. Ok. Qui fonctionne avec les Surnalish. Alors je connais pas du tout Surnalish. Ça doit faire partie des nouveaux trucs. Bien, bon, on commence, on a déjà des bonnes cartes Rika que je recherche. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir terminer. Enfin, terminer. Commencer. Et puis derrière, terminer le deck. Le passage du Tyrion, c'est génial. Il est toujours curieux de voir ce que je fais. Voilà, vous allez voir ces petites papates qui, en fond qui passent. Maintenant qu'ils ne marchent pas sur mes cartes, il n'y a pas de souci. Le gobelin parvenu, donc ça c'est pas mal aussi. Ça pourrait aller dans quelques decks que j'ai, donc plutôt fun. La combine de piège. Floraison de feu en ultra rare. Super rare, pardon. Le dragon en brique. Et apaisement inex. Inflexible capateur. Ah putain, inflexipateur. Ah bah oui, c'est inflexipateur. Non mais c'est moi qui suis con, j'ai pas réussi à lire correctement. Bref, nous en sommes à deux boosters ouverts. C'est parti, on continue. Et maintenant les deux, il y en a deux qui sont ouverts correctement. La suite, ça peut être ouvert à l'arrache. Alors on commence avec. Oh ça c'est nice. Cristal, donc inflexicap. Ah putain. Inflexipateur Lionite. Ça ressemble à la pierre rouge légendaire. Elle est vraiment pas mal. Résonance inflexipateur. Oh. Cristal inflexipateur Dragite. Rempart Kaokimiru. Et Munda la Férica. Enfin Mundan, je sais pas comment elle va s'appeler. L'Erika que je recherche. Donc c'est parfait. Pour l'instant tout se passe bien pour moi. Alors on m'a conseillé plutôt d'acheter les boosters, d'acheter les cartes à l'unité. Ben, vous me connaissez, j'aime bien ouvrir des boosters. C'est génial la Chirubimé, parfait, Chirubimé, princesse des fleurs d'automne. Et les bords, la Férica. Renard à 9 queues. Bombardement de roches. Et pour terminer, Conquistador de la Terre d'Or. Olé. Ça c'est nice. Là tout ce que j'ai c'est nice, je suis assez content là. Alors, résonance inflexipateur. J'arrive à le dire maintenant, vous avez vu. Allergie au pollen. Alors, ça, c'est gardien d'Onyx, voilà, Kaokimiru. Le dragon en brique. Et pour terminer, apaisement inflexipateur. Bon, ça va. Ce booster est un peu moins grandiose, mais dans l'ensemble, pas mal de Rika. Donc, je suis pas mal content. Ah, ben voilà. Cyclamen l'a fait Rika. Cyclone Galactique, Unizombie, Amoureux de la Rose, Chercheur Inflexipateur. Nice. Je crois que c'est la carte qui est actuellement la plus recherchée, il me semble. Il me semble que c'est celle-là. Je crois pas dire de bêtises. Non, j'ai pas l'impression que c'est celle-là. Non, je dis des bêtises. Malheureusement, ce n'est pas celle-ci qui est la plus recherchée. C'est Rechercheuse Inflexipateur. J'ai vu le chercheur, j'ai confondu. Autant pour moi. On verra bien si elle tombe. Allez, on continue. Alors, résonance inflexipateur, tranquillité Rika, fertilisant miracle, surnatère maudite et Eldorado Adelantado. Non, c'est bon, elle est française, j'ai vérifié parce qu'avec un nom pareil, je me suis dit. Bon, il nous reste plus que 3 boosters. On va espérer avoir un peu plus de Rika qui tombe. Alors, Golem de Sable, Kaokimiru, Fertilisant Miracle qu'on vient d'avoir juste avant, Erika, la Férica,
Unizombie et Bourrasque Rika. Il n'y a plus que deux boosters. En vrai, ce qui, les cartes qu'il y a là-dedans, en vrai, c'est plutôt pas mal. Il y a du zombie, il y a de... Oula, celui-ci, il est costaud. Oula là. Ah ouais, putain, il est pire que costaud. Hop, ça y est. Il y a vraiment des trucs sympas, il y a du zombie, un peu de tout. Cyclamène de la Férica. Cyclamène de la Férica, pardon. Oh, cristal inflexible. Raptide. Non, mais on dirait vraiment des bêtes chrysalides, c'est rigolo. Cyclone galactique. Unizombie. Et pour terminer, pellicule le Rika. Ok. Et pour terminer, le dernier booster, on y croit. Mais plus de Rika. Pas plus de Rika. Même si bon, plus de Rika. Allez, hop. Et c'est parti. Ta-ta-ta-ton. Oh, le jugement solennel. Alors, ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Erika, la Férica. Bombardement de rocher. Éveillé, inflexipateur, raptite. Et... Wakuro de la Terre d'Or. Bon, ben voilà. Voilà, tout ce qu'on a eu. Ben écoutez, ça reste des cartes plutôt sympas. Moi, je suis assez content. Je vais faire le tri et commencer à faire le deck très prochainement pour pouvoir vous le présenter lors des Yugi Samedi. Ou des duels en live, c'est pour ça qu'il est important aussi de s'abonner sur la chaîne Twitch pour ne pas rater les lives. Moi je vous fais un bisou les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, on s'ouvrira soit des boosters, soit on jouera un jeu, soit on parlera de quelque chose. En attendant, n'hésitez pas à passer sur les lives pendant le confinement et prenez soin de vous. Allez, à bientôt, salut à tous.